السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سأخصصه لتصحيح الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا السنة الأولى من سيكل البكالوريا الدورة العادية 2021 الشعبة العلمية والتقنية والمهنية في مادة اللغة الفرنسية. Alors, je vais lire le texte. غنشرح شي كلمات بالعربية باش تفهموا التكست، من بعد نديروا لا كوريكسيون. Alors, mes connaissances en bijoux, bijoux moujouharat, étaient moins étendues. Yani mhdouda jiddan. J'en avais pourtant vu de somptueux, somptueux yani nafisa. À l'occasion des fêtes sur les femmes et sur les petites filles, je les classais en deux catégories, yani juz moujouharat, les bijoux de tous les jours en argent gris bleu qui me fascinaient, yani kibahroni, et les bijoux de fête rutilants, yani lamaïn, fihom lamaïn chadid, de pierreries, ceux-ci forgés msnouïn, par les mains des génies à Baqira dans des palais souterrains, gardés encore dans leur miroitement, lamaïn, et leur couleur de soleil, ce venir des flammes, les flammes et les lehb, en nar, où leur matière avait coulé. Pour moi, tous ces bijoux de fête provenaient de trésors cachés, avaient appartenu en des temps immémoriaux, à des princesses de rêve dont le souvenir s'était oublié. Il fallait être nié, yani sedej, il fallait être puéril, yani sebiani, pour croire que ces délicates architectures, yani touhaf nadira, de l'or et de pierres précieuses, yani ahjar karima, fussent l'œuvre de quelques artisans besogneux, sonnah kadihun, artisans besogneux, pressés de les exécuter pour les échanger contre une ville monnaie, yani ville tafiha, monnaie, yani l'mel ou l'flous. Ces ornements magiques naissaient gratuitement par le pouvoir de l'amour. À 6 ans, je ne pouvais formuler de telles considérations sur les bijoux et sur les fleurs. Aucune discipline et les dars, ne m'avait appris encore à classer méthodiquement et bimenhajia mes idées. Mon vocabulaire était trop pauvre pour mettre au jour ce qui grouillait confusément en moi. C'était, je crois, cette impossibilité de faire part aux autres de mes découvertes qui avait fait naître en moi une douloureuse mélancolie. Je pardonnais aux grandes personnes de me gronder, au besoin de me frapper pour une futilité, mais je leur en voulais à mort, de ne pas essayer de me comprendre. يعني هذا هو النص. ندوزو مثلا دابا الأسئلة. alors السؤال الأول، faut recopier compléter le tableau. alors titre de l'œuvre bien sûr c'est la boîte à merveille. l'auteur de l'œuvre c'est Ahmed Sfraoui. genre littéraire de l'œuvre c'est roman autobiographique. le siècle ou le 20e siècle قرن العشرين. deuxième question، d'après votre lecture de l'œuvre répondez par vrai ou faux. Alors, l'œuvre appartient à la littérature maghrébine d'expression française, vrai. Les événements racontés dans l'œuvre se déroulent au début de l'époque coloniale, faux. Le personnage principal a beaucoup d'amis, faux. L'imagination et le rêve occupent une place essentielle dans le monde du personnage principal. Ça, c'est vrai. Troisième question, le texte de base est à dominante descriptive. Il y a beaucoup de descriptions dans le texte. D'après le texte, le personnage principal a-t-il de larges connaissances dans le domaine des bijoux? Justifiez votre réponse par une phrase tirée du texte. Alors la réponse est non, il n'a pas de connaissances. La phrase qui le montre, il y a « Mes connaissances en bijoux étaient moins étendues ». Relevez dans le premier paragraphe 4 mots appartenant au champ lexical de la lumière. Alors ces mots-là, on les trouve dans le texte.
rutilant, flamme, miroitement et soleil. Donc, on a les mots qui appartiennent au champ lexical de la lumière. Alors ensuite, d'après le texte, que reproche l'enfant aux grandes personnes? Alors l'enfant, il reproche aux grandes personnes de ne pas le comprendre. D'où le jawab, dit l'aide, la sixième question. Septième question, je leur en voulais à mort. Ça, c'est une figure de style qui s'appelle l'hyperbole. Alors, la tonalité dominante dans le second paragraphe, c'est tragique. Parce que l'enfant, il parle de mélancolie, de la mort, de tristesse, etc. Ensuite, question 9, il faut donner votre réponse. Êtes-vous d'accord avec, faut donner votre point de vue, plutôt. Êtes-vous d'accord avec les parents qui ne donnent aucune importance aux idées de leurs enfants? Alors, Joab, elle a une question. Le modèle, je dis Joab. À mon avis, je suis contre les parents qui ne donnent aucune importance aux idées de leurs enfants parce que ce comportement a plusieurs conséquences négatives, notamment la perte de confiance chez l'enfant qui va se bloquer et se sentir inutile, ce qui va détériorer sa personnalité et limiter son imagination et son esprit d'initiative. Alors, nous, c'est belle. Question numéro 10. Pourquoi, à votre avis, les jeunes sont souvent mal compris par leurs parents? Alors, exemple. Les jeunes sont souvent mal compris par leurs parents parce qu'il y a une différence de génération. Chaque génération a ses préoccupations et sa propre mentalité. Et aussi, il y a des parents qui n'essaient pas de comprendre les actes et le comportement de leurs enfants. Il y a de la compréhension et de la langue. La production écrite, la production écrite, c'est-à-dire une introduction, le sujet que vous dire une question, les deux questions, mais bête que t'as idéal que le développement, idéal que concernant le sujet, certains pensent que les parents d'aujourd'hui sont tellement gâtés. Certains pensent que les enfants d'aujourd'hui sont tellement gâtés qu'ils deviennent insupportables. Il y a une introduction. L'introduction, quand tu as sous-el ou sous-elain, on fait un développement, quand tu as idéal, sous forme de deux paragraphes, il faut utiliser les connecteurs logiques. Et l'autre, tu as idéal, c'est vraiment fait la conclusion. Au choukran, maintenant, tu as le canet. تفعلوا الجرس شكرا